mettre fin au désordre dans le secteur des transports terrestres. Il s'agit du permis à point. Qu'est-ce que c'est? Élément de réponse dans ce 12h30. 40 années de musique et de danse, Rosemary Guiraud, artiste ivoirienne pluridimensionnelle, décide de marquer une halte pour faire le bilan de son quarantenaire culturel. Et puis cette nouvelle vague d'enlèvement au Cameroun, trois religieux dont une sœur ont été enlevés dans la nuit de vendredi à samedi dans le nord du pays. Dimanche 6 avril 2014, vous suivez le journal sur RTI2. Bonjour à tous. Bientôt un permis à point en Côte d'Ivoire, une nouvelle donne qui vise à réduire le désordre dans le milieu des transports terrestres. Quel est le mode de fonctionnement du permis à point? Eh bien, il s'agit d'attribuer des points à chaque automobiliste et de lui en retrancher à chaque infraction commise. Une astuce pour également épingler les mauvais conducteurs. Les différents syndicats de transport ont déjà approuvé la mesure. Cependant, qu'en pense du reste des Ivoiriens? Élément de réponse avec Kounate Moussa et Serge Coléa. Le permis de conduire à point, bientôt instauré en Côte d'Ivoire. Une innovation, mais surtout une mesure d'obliger les automobilistes à respecter le code de la route afin d'éviter les accidents. C'est un dispositif réglementaire qu'on met en place pour suivre un peu l'évolution de la conduite des usagers sur la route, afin qu'on puisse les discipliner. L'objectif, c'est de mettre tout en œuvre pour que les gens soient face à leurs responsabilités. Ce nouveau type de permis de conduire vise à extirper les conducteurs indélicats des routes. Il consiste à délivrer à tout conducteur des points. Ces points sont retranchés à chaque infraction. Le conducteur se verra retirer son permis s'il perdait tous ses points. C'est une bonne chose. Les gens vont apprendre à rouler bien maintenant. Là, il y a moins de dégâts. C'est une bonne initiative. Il y a beaucoup de faux chauffeurs, on ne sait vraiment pas comment ça se passe, comment on leur délivre les permis, s'ils ont vraiment fait l'auto-école, vraiment on ne comprend rien. Si ça c'est bon, mais on va essayer de voir encore. Nous allons essayer dedans, moi je suis un bon chauffeur. Chacun sera amené à pouvoir avoir un bon comportement, de telle sorte qu'il ne puisse pas perdre les points. Avec le permis de conduire à point, de nouveaux modules de formation et d'évaluation stricts seront appliqués dans les auto-écoles. Il faut bien sûr faire un zoom sur les auto-écoles pour que la formation, la base, soit améliorée. Donc les modules de formation vont changer, les modules liés par exemple au civisme, les modules liés au secourisme. Donc pour que le chauffeur qui sort soit un peu plus complet. Le permis de conduire à point rentre dans le cadre de la réforme du transport. L'objectif est de mettre un frein au désordre qui règne dans le secteur. Tout autre chose à présent, les élèves des lycées et collèges de la commune de Yopougon ont été évalués en mathématiques et en sciences physiques. C'était lors du concours scientifique organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Objectif de cette compétition, remettre à niveau les élèves avant les examens de fin d'année qui pointent déjà du nez. Plus de 2600 élèves des établissements secondaires publics et privés de la commune de Yopougon affrontent le concours scientifique, un concours destiné aux meilleurs élèves des classes de la 6e à la terminale. En mathématiques et en sciences physiques. Le concours scientifique développe les neurones et ça nous apprend à traiter les exercices d'un niveau assez difficile. Donc ça nous fait réfléchir beaucoup. Donc arriver en classe, quand on tombe sur des sujets classiques, on les traite aisément. Ça va un peu mes limites, dépasser mes limites en mathématiques. Et puis à travers ce concours, c'est pas forcément ce qu'on fait en classe. Donc on apprend encore plus d'autres techniques pour pouvoir résoudre les exercices. Et 14 de moyenne en mathématiques, le premier trimestre et le deuxième trimestre, 16. Donc là, il faut suivre le professeur. Il ne veut pas l'asseoir, il ne veut pas être en mauvaise compagnie. Il faut toujours écouter le professeur. L'initiative de la section Abidjan Nord de la Société mathématique de Côte d'Ivoire vise à promouvoir les matières scientifiques tout en préparant les candidats en classe d'examen avant l'échéance. Les initiateurs veulent également faire de la culture de l'excellence une valeur cardinale pour la réussite des élèves. On était les premiers au CAMES, il n'y a pas de raison qu'on puisse baisser en régime. Donc il faut qu'on arrive à trouver un système pour que les enfants puissent arriver à assurer la relève des scientifiques de notre beau pays. À l'issue de ce concours, seuls les trois premiers de chaque niveau seront primés. Il faut rappeler que ce test va permettre également la sélection des filles pour le prochain concours Miss Mathématiques, prévu pour le mois de mai 2014. 2 millions de francs CFA, c'est la somme que doit débourser chaque fidèle musulman désireux de prendre part au Hajj 2014 en Arabie Saoudite. Mais avant, les consultations pré-pèlerinage débutent demain 7 avril. Les détails avec Grâce Adrienne Kondo.
2 millions de francs CFA, c'est le montant que devra débourser chaque fidèle musulman pour se rendre en Arabie Saoudite pour l'édition 2014 du Hajj. L'information a été donnée par Bamba Cheikh Daniel, directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et dans le cadre de l'élection 2014, l'État maintient ses efforts, de sorte que la contribution de chaque pèlerin pour l'opération étatique reste fixée à 2 millions de francs CFA. Le quota mis à disposition au profit de la Côte d'Ivoire par les autorités saoudiennes est de 5 600 places, dont 4 200 pour l'organisation étatique et 1 400 pour les organisateurs privés. Pour l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam en Arabie Saoudite, des innovations sont annoncées par les responsables en charge du Hajj. Les formalités administratives, les formalités financières, tout sera traité de manière électronique. Le règlement des frais de participation donc, qui se paye au trésor va commencer le 14 pour donc prendre fin le 20 juin. Les consultations pré-pèlerinage en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au Hajj débuteront le 7 avril et prendront fin le 13 juin prochain. Et quant au règlement des frais d'inscription, les endroits retenus pour les différentes opérations seront communiqués par voie de presse. Je vous l'annonçais en titre, notre équipe de reportage conduite par Serge Colléa, spécialiste à culture de la rédaction, s'est rendue à l'école de danse et d'échange culturel EDEC pour rencontrer Rosemary Guiraud. Un nom marqué dans les annales de la culture en Côte d'Ivoire, la septuagénaire aura consacré 40 années de sa vie à la promotion de l'art dans son pays. Jeudi 10 avril prochain, l'artiste compte marquer d'une pierre blanche son quarantenaire au service de la culture. Mais avant l'événement, Serge Colléa, notre spécialiste, est allé à sa rencontre. Regardez. EDEC, école de danse et d'échange culturel, située à la Riviera, à Abidjan. Ici réside une mémoire vivante de l'art chorégraphique en Côte d'Ivoire. Marie-Rose Guiraud, la mère des Grivoires, la troupe artistique qu'elle a créée en 1973 pour communiquer sa passion de la danse et des arts vivants. C'est le premier ballet ivoirien de la Côte d'Ivoire, avant même que je crée le ballet national. Plus de 40 ans après, Marie-Rose Guiraud est toujours à la tâche. Je suis une mère qui veut faire quelque chose à travers mon art que j'ai acquis dans mon village. Dieu m'a donné quelque chose qui me permet de partager avec tout le monde. J'ai créé tout un village entier, toute seule, avec Dieu. Marie-Rose Guiraud a formé des générations d'artistes. Elle a exercé à l'INA, l'Institut National des Arts, aujourd'hui INSAC. La prêtresse de la danse, la chorégraphe originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, célèbre ses 40 ans de carrière avec les Grivoires. Rosemary Guiraud va revisiter son parcours sur les scènes du monde entier. Il n'y a pas encore quelqu'un qui danse mieux que moi. Je continue, je m'en vais à mes 70 ans, mais il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire que bon, il est meilleur danseur ou bien le meilleur chorégraphe en quoi? Rien. Il n'y en a pas. Et le 10, vous allez voir que je suis encore là. Et les Grivois en question, vous allez les voir à l'œuvre. C'est que les Grivois réellement sur la scène. Et ça, c'est la dernière génération. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 1000 qui sont dans le monde entier en train de performer très, très proprement et qui représentent la Côte d'Ivoire partout. Au programme de cette célébration des 40 ans de carrière de Marie-Rose Guiraud, un spectacle grandeur nature livré par la troupe Les Grivoires. À travers cette célébration, prévue le jeudi 10 avril 2014, Marie-Rose Guiraud, la pionnière des arts vivants en Côte d'Ivoire, entend marquer son retour sur la scène en Côte d'Ivoire après avoir passé 14 ans loin de son pays aux États-Unis. Parlons toujours culture et vous allez le voir en images, les concerts gratuits du Festival des musiques urbaines d'Anomabo suivent leur cours. Hier, les têtes d'affiche n'étaient pas moins alléchantes que les jours précédents. Alpha Blondy de la Côte d'Ivoire, Amadou et Mariam du Mali et Maxi Sedoumedi du Botswana, entre autres les artistes qui ont tenu en haleine le public jusqu'à 7h ce matin. Nous vous proposons justement quelques secondes de revivre l'ambiance qui a prévalu hier à Anomabo Village. Let's go!
Ouvrons la page internationale avec cette information. Au Mali, l'ex-premier ministre malien Oumar Tatamli a présenté la démission de son gouvernement et a été tout de suite remplacé par Moussa Mara, anciennement ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Pas plus de détails pour le moment, mais le premier défi qui attend le nouveau premier ministre malien reste la formation d'un gouvernement. Nouvelle vague d'enlèvement au Cameroun. Deux prêtres italiens et une religieuse canadienne ont été enlevés dans la nuit de vendredi à samedi dans le nord du pays. L'on s'en souvient encore, c'est dans cette même région qu'avait été enlevé en novembre dernier par le groupe islamiste Boko Haram, le prêtre français Georges Vandenbosch. À gauche, Gian Antonio Allegri. À droite, Gian Paolo Marta, sur cette photo prise dans l'extrême nord du Cameroun. Les deux prêtres italiens ont été enlevés dans la nuit de vendredi à samedi, en même temps qu'une religieuse canadienne. Ils étaient en charge du centre pastoral de Thierry. Cette localité est située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, une zone où sévit la secte islamiste Boko Haram, classée organisation terroriste par les États-Unis. Nos forces de sécurité et de défense, tous les services de renseignement, notre population sont mobilisées et les efforts des uns et des autres mis à contribution pour les localiser. Le gouvernement camerounais ne donne aucune indication sur l'identité des ravisseurs, mais il semble optimiste quant au dénouement de cette nouvelle affaire de rapt dans la région de l'extrême nord. Il me permet d'espérer qu'un fort de notre expérience, et parce que le gouvernement de ce pays a instruit pour que tous les moyens soient mis à contribution, il n'est pas à parier que nous serons en mesure, et nous souhaitons qu'il en soit ainsi, avec le concours de nos amis, que nous serons en mesure de les retrouver vivants, sains et saufs, et puis obtenir leur libération. L'enlèvement des deux prêtres italiens et de la religieuse canadienne intervient 3 mois après la libération du père Georges Vandenbosch. Le prêtre français avait été kidnappé dans la même région de l'extrême nord du Cameroun. Une région où la secte Boko Haram tente régulièrement de se replier après des offensives lancées contre l'armée nigériane. Sachez avant de refermer cette édition que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a effectué hier samedi 5 avril une escale surprise à Bangui, une visite destinée à afficher la détermination des Nations Unies à déployer une force de maintien de la paix en Centrafrique. C'est donc devant le Parlement provisoire à Bangui que Ban Ki-moon a lancé un appel aux leaders centrafricains pour qu'ils empêchent un nouveau génocide en Afrique. Fin de ce 12h30, merci de votre attention. Vous pouvez le revoir sur les www.rti.ci. Bonne suite de programme sur RTI2.